qu'il y a autant d'orgasmes qu'il y a de paires de fesses. Ça va du plus petit spasme au grognement de tigresse. Y a celles qui font oui oui et celles qui font non non, qui attaquent le bois de lit et font trembler la cloison. Et puis y a Marie-Hélène qui à chaque fois me dit: la trottinette africaine, faut que je la montre à mon mari. Que c'est bon de mordre le polochon. Que c'est bon la baïonnette à tonton. Que c'est bon et le cri sur tous les tons. Que c'est bon, bon. Il y a autant de manières qu'il y a de professions. Celui de la charcutière ressemble au cri du cochon. L'orgasme de la fermière, c'est un beau cocorico. Et celui de la boulangère, remets-moi le bâtard au chaud. Et puis il y a Marie-André qui crie que c'est bon seigneur. J'essaierai avec un vrai quand je serai plus bonne sœur. Que c'est bon de mordre le polochon. Que c'est bon d'aller promener le dindon. Que c'est bon et le cri sur tous les tons. Que c'est bon, bon. L'hôtesse de l'air ne crie pas, elle dit d'une voix posée: on est arrivé, tu vois, dehors il fait 3 degrés. La pompiste crie encore: je t'avais dit de me faire le plat. Et tant pis si ça déborde, je le nettoierai à la main. Et puis y'a Marie-Thérèse, celle qui rit évidemment, qui aimerait bien qu'on soit 13 pour que ce soit plus amusant. Que c'est bon de mordre le polochon. Que c'est bon de se faire chauffer le gazon. Que c'est bon et le cri sur tous les tons. Que c'est bon, bon. Il y a celui des Espagnols quand Conchita criolé. La vie est belle. Les contractuels, on le sait, près de leurs pieds dans la rue. Quand elle te met un PV, que c'est toi qui l'as dans le cul.